Bonjour les filles, aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau tuto maquillage où je vais vous montrer trois maquillages faciles pour la rentrée en utilisant juste des crayons. Donc passons tout de suite au maquillage numéro 1. Je commence par appliquer ma base à paupières pour unifier ma paupière. Ensuite, je viens utiliser un crayon turquoise que je mets en ras de cils inférieur, mais juste sur la moitié extérieure, et je fais la même chose au ras de cils supérieur. Ensuite, j'utilise un crayon blanc dans ma muqueuse inférieure, toujours, pour paraître plus réveillée, et j'en mets également sur l'autre moitié de ma paupière supérieure. Et en fait, je viens estomper le tout au-dessus pour faire un petit côté bleu plus clair. Ensuite, la petite touche de mascara. Et le maquillage est terminé. Donc voici ce que ça donne. C'est très discret, même si vous le voyez comme ça de près, ça peut paraître super voyant, mais pas du tout. Donc maintenant, le maquillage numéro 2. Donc je commence toujours par ma base à paupières pour unifier un petit peu ma paupière et pour que le crayon tienne mieux bien sûr. Je prends un crayon doré et je viens le mettre sur la première moitié de ma paupière supérieure et inférieure. Donc vraiment au ras de cils, et je viens compléter le reste avec un crayon brun assez foncé. Je trouve que ces deux couleurs se marient super bien. J'estompe le brun, du mascara et c'est fini. C'est vraiment des maquillages super simples qu'on peut réaliser en 5 minutes le matin. Donc voici le résultat. C'est aussi très discret et le doré à l'intérieur éveille le regard. Le maquillage numéro 3. Un peu plus de saison je pense. Donc je viens prendre un crayon kaki que je mets au ras de cils supérieur, du côté intérieur et du côté extérieur, tout en laissant en fait un petit trou où voilà, je vais mettre du brun, je pense que vous comprenez. Et je viens mettre également le même brun sur le ras de cils inférieur et j'estompe un peu le tout. Sur la paupière supérieure, j'estompe juste le dessus du trait pour qu'il paraisse un peu plus fondu avec la paupière, du mascara. Et c'est terminé. Ah si, j'aime beaucoup celui-ci, je le trouve très de saison et très joli. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux qui sont donc dans la barre d'infos. Et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye!